Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment remplir les bouteilles de gaz sur les îles. Bon, on a privatisé le taxi, on a pris le plus petit qu'on a trouvé. Avant qu'on me demande le prix que ça coûte, donc au BVA, là on a pris un taxi, on a un peu négocié, donc pour du port au chargement de gaz, puis après du chargement de gaz au supermarché et du supermarché à la marina, on paye 30 euros en tout. Donc ça paye 10 euros par voyage en fait. Deux couples c'est raisonnable, un couple ça commence à faire cher. Bouteille de gaz, le remplissage était à 5 euros. Alors je sais, on va me dire, oui mais c'est pas le même gaz, c'est pas du butane, c'est du propane. Alors le propane, c'est vrai, ça vous laisse des petits dépôts noirs sur les quatre folles. Bon, on va faire avec, hein. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Allez. C'est le départ des BVI vers les Bermudes. Donc là, on va vers le port de Spanish Harbour pour faire les papiers de sortie. Oui, il faut encore faire des papiers de sortie, il va falloir payer pour sortir. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, mais pourquoi tu pars pas directement ? Moi aussi, je me pose la question. Non, je ne me pose pas la question. Je fais les papiers pour avoir un papier de sortie à donner quand j'arrive aux Bermudes. Sinon, ils risquent de m'embêter aux Bermudes. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'ils te mettent dehors aux Bermudes si tu n'as pas le papier ? Ça m'étonnerait. Donc là, on a une bonne fenêtre météo pour partir. Le seul problème, c'est que Clara a de la fièvre. Elle a 38,5. C'est le truc, vous savez, il y a quelque chose qui se prépare. C'est-à-dire qu'elle a 38,5 et c'est pas encore déclaré. C'est pas la peine d'aller chez le médecin. Si on allait chez le médecin, il saurait pas ce qu'elle a. C'est encore trop tôt. Alors bon, si c'est une angine, c'est pas très grave. On a de quoi soigner sur le bateau. Si après c'est des petits boutons, des petits machins, bon, y a pour l'instant, il y a rien qui est sorti. On ne sait pas. Si ça se trouve, il n'y aura rien. Et la fièvre partira comme elle est arrivée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les papiers de sortie comme si on partait aujourd'hui. On va prendre le chemin pour partir comme si on partait aujourd'hui. Et au nord des BVI, il y a une île qui s'appelle Anegada. Elle est à 20 000. Donc, on va faire 20 000. Aujourd'hui, et quand on sera à Anegada, on va faire le point, est-ce qu'elle a encore de la fièvre ou plus de fièvre, et on décidera si on s'arrête à Anegada pour passer la nuit pour voir demain matin si ben moi ce que j'ai peur c'est que demain matin ça soit pareil, mais bon, pas grosse discussion, on va réfléchir, on va regarder comment ça évolue. Et on garde toujours en tête une possibilité de repli si ça évolue pas bien, au moins pour attendre qu'elle aille mieux. À Spanish Harbour, figurez-vous que pour accrocher le dinghy, ça me coûte 6 euros. Ah, mais vous imaginez, il faut payer 6 euros pour accrocher votre dinghy au ponton.
La bonne chose, c'est que c'est gratuit partout, sauf là. Donc là, on est en train de faire la sortie. Alors, la sortie pour tous, ça nous coûte 5 $ US. Donc, c'est pas très cher. On est arrivé. On a fait les papiers avec la personne qui s'occupait des papiers de sortie. On a fait les papiers avec la personne qui s'occupait d'encaisser. Et figurez-vous que une fois que vous avez fait les papiers de la sortie, vous avez fait les papiers pour encaisser, moi je pensais que c'était fini. Et en fait, il y a une personne qui doit vérifier que vous avez bien payé. Donc tout ça, c'est le même bureau, hein. Les gens ont des sièges côte à côte, c'est juste des guichets, mais c'est tout ouvert. Et la personne qui est chargée ils sont 15 dans le bureau, la personne qui est chargée de vous dire « Ok, vous pouvez partir », elle n'est pas là. Et vous savez quoi? Donc on se retrouve bloqué. Il y a plusieurs bateaux là. On est en train d'attendre la personne qui va regarder qu'on a bien payé, sachant que on a payé au même guichet. Donc il y a la personne qui vous a encaissé, la personne qui vous a payé les papiers de sortie. Les administrations, ça me dépasse complètement. Ils sont tous dans le bureau là. Ils pourraient dire « Ok, vous pouvez y aller ». Non, on attend. On attend quoi? On a les coups de tampon, tout ça c'est donné. On attend juste qu'il y a un mec qui est pas là, qui vienne pour dire c'est bon. Et si jamais il vient pas, on attend toute la journée. Eh mais, ça fait 30 minutes qu'on attend, on a tout payé, on peut partir et on est obligé d'attendre. Ça pourrait être énervant, hein, mais on ne s'énerve pas. C'est rigolo, hein, je vais y retourner quand même. On désole mais wabé des pas dans son guildo, on désole mais wabé des pas dans son guildo, de douana roulent d'argent, la 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 Au début, j'ai cru qu'il était en difficulté, mais en fait, je pense qu'il navigue. Il navigue, mais il ne doit pas avoir compris comment on règle les voiles. Il y a une île, alors il faut qu'il remonte au vent, mais pas autant. Je sais pas si c'est des propriétaires ou c'est des locations, mais vous avez des gens qui naviguent pas trop, donc c'est pas pour me la péter. Mais bon, ça vous permet, c'est pour votre ego, c'est ça sera bien si vous avez. C'est bien pour l'ego parce que ça permet de doubler des bateaux. Et des bateaux beaucoup plus gros, vous pouvez les doubler. Je pensais qu'il avait un souci de bateau de derrière là, celui qu'on vient de doubler, mais pas du tout. Il navigue, il fait juste des erreurs de barre et il se retrouve face au vent. Et le temps qu'il comprenne qu'il est face au vent, le bateau a perdu toute sa vitesse, il commence même à reculer. Ça y est, il retourne face au vent. Aïe aïe aïe. En tout cas, il a une belle voile bien lattée, elle est magnifique sa grand voile. J'aimerais bien avoir une belle grand voile comme ça. Ça y est! En fait, ça y est, il vient de comprendre. Je suis passé devant. Il a pris le même cap que moi. Bon, les voiles sont bien réglées, le bateau va tout droit. Hello, Captain.
connais la chanson. Ça fait une paye qu'on n'a pas touché terre. Et même une paye qu'on se fait, des gonzesses en passe-faire. Tant pis pour celle qui se montrera la première. Tu démontres la passerelle, la canne, la dunette arrière. Hello. Parce que les gens ils sont pas contents que j'ai doux. Donc le bateau derrière c'est un 38 pieds moderne avec un double safran, deux barres à roues. Il n'a pas l'air trop chargé mais tout simplement les voiles sont mal réglées. Après je suis pas un pro en réglage de voile. Hein. Sur les miennes aussi il y aurait du travail à faire. Je pense qu'en théorie, son bateau doit être plus rapide que le mien, plus récent, plus léger, des meilleures voiles. Donc ça fait toujours plaisir. Alors le monsieur n'était pas très content. Là, je suis arrivé, j'étais un mille derrière, je l'ai gratté tout. Après, je l'ai passé au vent en plus. Donc je l'ai dévancé. Oh, j'ai fait coucou, ils n'ont pas eu l'air de faire coucou non plus. Moi quand je me fais gratter, je suis pas content non plus, mais si on me fait coucou, je fais coucou aussi. Faut abattre. Le capitaine il dit que c'est pas le bon cap, faut abattre.